Et bonjour. Alors. Paf. Que vous allez bien? Je suis niveau 41 seulement. Je suis déçu. Je m'attendais à beaucoup. C'est ça? Alors, on s'était arrêté là la dernière fois. Pas grand monde encore à finir. Et l'Halloween. C'est parti. Hop, bah direction la ville de Noël du coup. Ouais, c'est comme ça. Je sais pas comment. J'ai mis des dégâts. J'ai pas de. Ah si, j'en ai deux. Ça va donner la formule royale. Je fais ça. Non, mais. Ah oui, c'est vrai, je change ma kit ou pas. Ah bah ouais, elle est largement meilleure. Regardez, maîtrise. J'ai rien au niveau des potions, hein. Ça devrait aller. Bon, allez, go. On va même pas. Alors, qu'est-ce qu'on a là-bas?
Viens me parler, toi. Et de l'étage, ok. Ah, mais j'ai rien récupéré ici. Attendez. Crépuscule. Voilà, je m'occupe des niveaux de. Je m'occuperai surtout à la fin, je pense, avant le boss. Comme je voulais. Mais ah, c'est une galère à viser. Hop, bouge plus la boîte, bouge plus la boîte. Me pousse pas non plus. C'est bon, aidant. Donc faut capturer les trois chenapans. On va les mettre dans la boîte. Et heureusement, on peut pas les libérer normalement. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est être assez rapide. Sinon, le problème, il se réveille très rapidement. Et encore. Ça m'arrange, je viens par là. Allez-y, occupez-vous de lui là. Hop. Et voilà. Qu'avez-vous fait des cadeaux? Puisqu'on vous dit qu'on ne les a pas volés! Qu'est-ce que vous faites ici alors? On cherchait des pièces pour l'automate. Quel automate? Celui du docteur Finkenstein, il nous fabrique un ami. Un ami qu'on pourra mener à la baguette. C'est vrai que le docteur semble affairé à une nouvelle invention ces derniers temps. Ah, du nez, c'est une horreur. Et puis d'abord, les cadeaux de Noël, c'est nul! Ils font même pas peur, à quoi ça sert? Bien dit. On s'ennuie ici, rentrons à Halloween. Alors, ces petits gamins étaient-ils bien nos voleurs de cadeaux? Apparemment, non. Ça voudrait dire que... C'est elle! Sally. Vous êtes tous là, je suis soulagé! Pourquoi, il y a un problème? Allez, sans cœur, sont de nouveau envahis la piste de la guillotine! Je voulais vous prévenir! On s'en charge. Halloween, nous voilà! Un instant. Et le voleur de cadeaux alors, on le laisse courir? En parlant de cadeaux, les sans-coeurs s'amuser avec des paquets! Et ben voilà, nous tenons nos larrons! Y'a pas un mug par là, il est à la sortie là-bas. Revenez-vous là. Je joue pas la technique que je veux, mais en même temps, j'ai... Oh, un superbe cardo pour moi. Pour le... Merci. Je sais pas si j'ai du retard sur mon leveling. J'étais pas encore 42 et je sais pas combien il faut que je sois normalement. Calmez-vous.
Mince, soleil levant, soleil... Ah mais non, soleil levant, c'est le dash. Mais arrête! Tiens. Mais non! Arrête! Non. Alors. Non, synthèse. Maintenant, j'ai Say the King et Say the Queen. En fait, ça... Ah oui, il y avait un truc comme ça. Parce qu'après, on va avoir la Keyblade Ultima. Le problème, c'est que pour pouvoir la fabriquer, il faut utiliser des gemmes de sérénité, je crois. Et du coup, ça permet de réduire la quantité de dark, d'oricalque qu'il faut. Du coup, bah t'as le bon nombre. Parce qu'en fait, il y en a un nombre du genre, il y en a 8 dans le jeu. Il en faut... Là, on va en perdre 2, donc il va nous en rester 6. Voilà, les maths. Sauf que pour en fabriquer la Keyblade, il en faut 7. Et du coup, on est obligé de la réduire. Conception libre. Et... Cornabidouille. Oui. Ich, très jeune, pas rien fabriquer. C'est vraiment de la merde. Ah ouais, d'accord, comme ça. Et les cadeaux! Massons la monnaie. Vous éliminez à une vitesse. Ah, eux, je les aime pas. Ah, mais eux, par contre, ils ont des orbes. Aïe, arrête. Tu es triste, arrête. Aïe, eux. Viens là. C'est vrai que j'aurais pu mettre la forme maîtrise avec tout ce qu'il y a là, mais le truc, je me dis que... Par là, techniquement. Eux, par contre, je crois qu'ils s'en donnent pas. Non, eux, c'est de la vie. Mais non, place de la guillotine! Oh bah attends, fusion. Maîtrise. Mais laisse-toi faire. Par là. Mais il me... J'ai pas le temps d'absorber les orbes, fais chier. Il m'a fait sortir de la salle. C'est pas grave, hein, let's go. Gagner un level par contre.
C'est combo aérien, je crois. Ouais, c'est ça. Combo aérien. Il reste 3 points. Booster feu, tout ça, je m'en fiche. Pas utile. Estocade, ça peut être cool. Permet d'effectuer un coup puissant qui entame la guerre de l'adversaire. Magnétisme, effectue un coup critique aérien qui est attiré les ennemis. Ouais. Magnétisme ou estocade? Les deux, ce sont des coups critiques. On va faire l'estocade. Ah, les bouquets. Auto-relais. Remplace un personnage KO. Ah! Marrant. Marrant, ça! Tomber, mais je sais pas où. Il s'est fait défoncer par Ah, les trois cadeaux, ils sont là-bas. Ça aurait pu durer longtemps. Les trois cadeaux, ils sont devant la porte. Ah, ils ont été attirés. Cadeau, magnifique, ouh. J'étais assis ici, en train de cogiter, lorsque tout d'un coup, quelqu'un m'a attaqué par derrière. J'ai perdu connaissance, et quand je suis revenu à moi, mon expérience n'était plus là. Ne vous en faites pas, docteur, nous savons qui sont les voleurs. Vraiment? Qui donc? Des sans-cœurs. Ces êtres méprisables! Vous faites erreur, mon agresseur n'avait rien d'un sans-cœur. Mais si ce ne sont pas les sans-cœurs, alors qui? Les amis, je crois que j'ai une idée. Puisque le voleur semble tant aimer les cadeaux, nous allons lui en concocter quelques-uns pour le piéger. Et ce serait le même gredin qui aurait dérobé mon expérience. Ça ne m'étonnerait pas. Mais comment en être sûr ? Rien de plus facile. Nous lui flanquerons une belle frousse et il avouera tout. Oh. Ma foi, pourquoi ne pas suivre le plan de Jack au moins pour commencer? Allez, direction la maison du perce-oreille au triple galop. Nous avons des cadeaux à préparer. Avez-vous retrouvé les cadeaux?
Voilà, c'est pour très bientôt, Père Soreille. Faites-nous confiance. Nous allons coincer le malfrat en l'appartant avec de faux cadeaux. Nous prêteriez-vous votre atelier le temps de confectionner quelques petits paquets? Oh, des cadeaux comme à pas! C'est à faire l'hypopète! Cette idée ne me plaît guère! Mais si c'est juste pour cette fois et que c'est pour la bonne cause... Bah entendu, l'atelier d'emballage est à l'étage. Appliquez-vous, hein. Alors, attendez. Alors, let's go. Vous voulez faire des paquets cadeaux? La machine est à votre disposition! Fabriquez des cadeaux! Allez-y! Alors. Il faut quelques secondes au canon pour se recharger. Ok, vise bien. Alors. Paf, paf, paf. Allez, recharge. D'accord. Je suis en train de me dire pourquoi ça attend. Dégage. Dégage. Mes gros paquets de cadeaux. Ah viens, c'est parti pour venir, donc viens. Allez, viens là. Alors, faut savoir, hein. Alors, c'est par là. Je vais remettre la main. Ouais, parce que... Je vais la remettre maintenant, en fait, parce qu'il y a ça qui m'embête. Non, ça. Ah! Donc, je vais avoir ce problème-là. Génial. Viens là. Ah, c'est l'autre aimanté, ça doit être le coup que je dois faire, je pense. Je pense. Calmez-vous. Ah, on peut pas parer en l'air, c'est ça qui est dommage. En l'air, t'es vraiment faible, en fait.
La monnaie. Mais c'est là que je devrais être. Attendez. Ah non, faut parler au Père Noël pour préparer le piège. Oh punaise. Non, c'est pas ça. Vous êtes prêts? Oui. Nicki Minaj. Mais pourquoi il part autant là? Arrêtez de parler là! Allez, s'il te plaît! Ah, c'est un souci ça! Ça va être un problème! J'ai mon bouton de raccourci qui ne marche absolument plus! Du coup, c'est une horreur! Ça va être drôle pour faire des heals de dernière seconde. Donald. Oh, Donald sans magie, c'est une horreur. Hein. Voilà que je commence à strater pour lui filer des éthers. Hein. Et allez.
les cerfs, ils sont sous coque. Augmente la puissance d'un coup critique à la fin d'un combo, soit proportionnellement au nombre de coups assénés. Cool. Ok. C'est malaisant son musique. Ce qui est amusant, c'est que Sora n'a que cette vision de Kairi là, en fait, il ne sait pas à quoi elle ressemble. C'est amusant. Bien pensé d'avoir fait ça comme ça. C'est logique. Allez, plus qu'un monde à... Non, deux. J'ai... Et là, on peut y aller, normalement. C'est quoi ? C'est énorme truc. Attendez, peut-être que c'est de là que vient ce drôle de signal que nous avons capté tout à l'heure. Voilà. Il se passe des choses bizarres à la cité du crépuscule. Il y en avait deux, maintenant. Et un autre signal surpuissant. Il provient d'un endroit tout près de la ville. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est clair que la cité du crépuscule a de gros ennuis. Alors en gros, c'est soit on part sur la Terre des Lions, putain mais je suis même pas level 42. Soit on part sur la Terre des Lions, soit on retourne là directement. Mais j'ai ça à faire aussi. En fait, j'ai deux mondes encore à faire. Et vu que j'ai un retard de level, on va aller sur la Terre des Lions.
Attends, tu me fais faire des bêtises. Censé être level 43, je suis niveau 42. Je suis, on est d'accord, légèrement dans la merde, moi. Alors, attendez. Je perds 3 points de magie, mais je gagne 2 points de dégâts, hein, quand même. Je vais même la prendre. Potion. Par contre, ce qu'on va faire absolument. C'est sûr. Non, c'est pas là non plus. C'est où? Passion Donald. Ouais, c'est ça. Auto-recharge désactivé. Et... L'objet sera rééquipé à condition qu'il soit en stock. Ah, ok. Va s'activer quand il est en danger et non pas fréquent. Et lui, il a pas la compétence pour les objets. Ah, parce qu'il a pas d'objet. Ah, je suis bête. J'ai envie de faire. Samedi. Alors, aube. Tête. Ah, je suis méchant. Et c'est... Ça. Et ça part là? Bon, allez, la fin en attendant. Alors, avant d'aller voir Simba, on va faire un peu de leveling. J'ai du retard. Mais on n'avait pas quelque chose à faire? Non. Vous êtes venu voir Simba? On a vu le fantôme de Scar. Cette apparition ne peut que présager la fin du royaume, et pourtant le roi Simba ne réagit pas. Il a beau être le fils du grand Mufasa, il n'en a pas l'étoffe. Il est incapable de diriger le royaume.
Mais si, il réfléchit sûrement à une solution. Là, on n'est plus à la réflexion, mais à l'action. Son père en aurait déjà terminé. C'était un roi fier et valeureux. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le puissant Mufasa. Bon, ça va, t'étais juste une de ces lions, tu vas te calmer. Hein. C'est extrêmement... sexiste, pardon. Ne jugerons pas une personne sur sa couverture. Je vais dire ça comme ça. Simba sera à la hauteur, vous verrez. J'en doute. Ne vous en faites pas, je vais lui parler. Simba, Sora a appris la compétence Tacla. Ok. Tacla, c'est là. Tacler permet de percuter un ennemi en... Allons en l'attaquant à l'aide des aiguillons. On appuie sur X pour se déplacer. Ok. Oh, qu'on fait ça. Ouh. Y a quoi là-haut? Non, pas tomber! Bah, c'est bon. T'as eu peur. J'aimerais bien la caméra vers le bas. Ah, bah, y'a pas. Ok. Oh. Merde. Ouais. Bah, au moins, ce qui est mieux dans Cage 3, c'est que c'est plus ouvert comme monde. Là, c'est beaucoup de. C'est beaucoup de sale, quoi. En gros, là, si on veut récupérer... Il n'y en a pas. Tu es obligé de sauter. Si tu sautes, bien sûr. Pas le cas. Alors, Rafiki, dis-moi tout. Oh 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 ! Le roi est-il prêt à assumer son rôle ? Très bien. Que savez-vous sur le fantôme de Scar ? Ah oui, le fantôme, un esprit désincarné dès de la rencontre entre le cœur maléfique de Scar et celui hésitant de Simba. Hésitant? Oh, serais-tu prétendre le contraire? Bah dis donc, ce fantôme a tout l'air d'être un sans-cœur. Quoi? Personne ne le sait. Mais il est bien là. Semant le trouble dans le cœur de tous les sujets du royaume. Ce vrai nature nous est inconnu, mais il est bien réel. Le monde est fait de ce genre d'aléas. Et seul un roi peut les affronter. C'est l'épreuve que t'as réservé le destin, Simba. C'est tout. Allez, Rafiki. Je suis sûr que tu en sais plus que ça.
Moi non. Les hyènes du cimetière et les éléphants savent peut-être davantage. Mais à quoi bon, le roi Sim va être trop faible. Eh, hey, ne dis pas ça, il est prêt à agir. Dans sa tête peut-être, mais l'est-il dans son cœur? Laisse tomber, Sora. Allons au cimetière des éléphants. C'est vraiment gagner du temps de jeu, quoi. C'est... Alors, on va leur faire aller par là, puis par là. La vitalité, ça. Alors, courir. On va en profiter. Non. Ça, X. Sans cœur, dis donc. Ramène par ici. Pénible en fait avec ce monde, c'est que tu te rends compte que bah tout ce qui est fusion, tout ça, il ne sert à rien. L'XP, c'est vraiment pas le meilleur. Le meilleur pour l'XP, ça va être le dernier monde, bien sûr. J'en ai passé des heures à faire des allers-retours. À partir du point de départ, pour arriver devant la salle du boss. Mais extrêmement long, quoi. Ok. Tu vois, je récupère des choses plus importantes que de tabasser la gueule. Les hyènes ne sont pas par là. Ouais, je sais bien. C'est bien, mais j'y vais quand même. Oh, donc, calme-toi, on est déjà venu ici. Le point de départ ici. Viens par là, reviens par là, viens là. Viens là. Reviens par là. Je vais te tabasser, toi. Oh, reviens. Ah oui, c'est des saletés, hein. Ça rebondit partout. Et ça fuit. Ah, c'est ça le tacle. Mais... Ok, Edin. C'est pour ça qu'ils nous ont appris le tacle en fait. Mais ils sautent ! Eh, on a le temps ? Non, vas-y, je m'en fiche. J'ai ça. Ah ! Non, dommage. Je vais retenter. Alors attendez. Hop. Ah. C'est dur. Alors. Ouais, j'ai des missions à faire, mais... Oh oui, je l'ai eu. Allez. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, petit, je pars ici. Piou, piou, piou. Où qu'il est? Elle est là.
Viens là, viens là, viens. Tu peux pas t'enfuir. Viens là. Vas-y, Donald. Tu là. Non. La saleté, hein, ça rebondit partout. Allez, allez, allez. Non, le coup critique. Allez. Nouvel emplacement objet. Où est Simba? Oh, il s'enfuit. Je savais que ça serait dur pour lui. Il a besoin de s'isoler pour affronter ses peurs et élaborer un plan d'action, sans avoir à se soucier de l'opinion des autres. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Et pourquoi est-ce que vous chantez? Mais où est-il allé? Moi je sais, à l'Oasis. C'est notre coin préféré. Parfait, on y va. On vous y emmène. Ça, pas question. Avec ton odeur, Simba te repérerait aussitôt. Tu peux être sûr qu'il déguerpirait illico. Bon, d'accord. Compétence de dingo. Vaillance. Alors. Ouais, j'ai un niveau encore. Allez. Encore un niveau de retard, par contre. Et encore, je pense que j'en ai deux, du coup, parce qu'il faudrait que je sois 44 ou 45 pour celui d'après. Il va falloir que j'expère Bral, là. Bon, tiens. Alors, hop, on va faire un petit tour. Ah, oh, j'étais pas tout seul. Oh oh. Allez, allez, allez. Attendez, ouais, occupez-vous de lui, j'arrive. Je ramasse les armes, mais il y en a pas besoin, quoi. Je pense qu'en plus, ce coin-là, tu peux pas speedrun. En fait, de toute façon, en speedrun, tu ne le fais pas, ce... Tu ne fais pas le vent du Roi Lion. Il n'y a que quelques mondes, et puis...
Enfin, quoi. Il a pas touché le sol, lui, hein. En capacité de riposter, moi. Merci Dingo, tu te fais gagner. Je sens que je suis obligé de pex un peu, parce que connaissant la suite de l'histoire, je sais que si derrière je suis pas à ce niveau, je vais avoir du mal avec ce boss là. Après, j'ai envie de dire. Peut-être là, vous, tiens. Après, normalement, c'est censé bien se passer si je gère un minimum la défense et tout, quoi. Pas ça le souci. C'est surtout que. Je pense que j'arrive à un moment où je peux avoir de bonnes compétences. Le fait de ne pas les avoir, ça peut être pénible. Ah, dommage, il a retouché le sol. Ça. La caméra qui en peut plus. Oh, un électrique, ça. Nous, on l'éclate, ce gars. Alors, normalement par là va y avoir des sans cœur, je crois pas y être passé devant. Ah, je me fais quand même toucher. Il fait des sacrés monstres, Sora, en lionceau. Alors, les sans cœur. Oh non, toi, tu vas te calmer tout de suite. Hein. Question que je fais. Pas des compétences. Peut-être. Pense. Pas encore les compétences. Là non plus, donc c'est même pas la peine que je parle de chance parce que c'est même plus. On n'avait pas. Il y a que Dingo qui a de la chance. Augmente les chances de gagner des objets rares. Équipe tout le groupe pour augmenter les. Okay, donc il faudra que je. Par exemple, dernière force, on va résister à un cadre. Je vais faire ça. Ça peut donner de la petite probabilité de gagner rare. Donc. On va en profiter. Hein.
Force. Ouais. Parce que c'est la chance qui me permet de l'avoir à supposer que oui. De sérénité, ouais, non, ça... pas ce qui est le plus recherché. Ça, c'est recherché par contre. Chercher volontiers. Hop, niveau 43, c'est pas mal. Me gratte le sursis, saligo. Ici, de mémoire, y a pas. Oh la vache! Ouh, deux objets. Condant et éclat condant. Ah, j'ai lancé un sort, je voulais pas. Voilà. Non, j'ai même pas lancé de sort en fait. Bon, j'ai récupéré avec. Ah non. Pas compris. Bref, ça devait être Donald. Allez, il n'y avait pas de son de jeu, génial. Simba, come quick! There's a bazillion ghosts of Scar haunting the Pride Lands. Everybody but Nala hightailed it out of there. And now she needs your help. Our little Simba, all grown up and finding his place in the world. Nice try, you're coming too. Ça sera mieux avec du son de jeu, hein. Ah, j'en ai ras le bol. Et alors ?
Ça, voilà. Alors... We're here. Where's Simba? I've come back, Nala. Get out. Way to go, Simba! Are you with me? Now and forever, Your Majesty. Alors, j'arrive. Ah ouais, d'accord, on est deux. Ah, j'ai raté, je suis nul. Je suis une merde. Encore. Aïe. Oui, qui est joué. Bien les indications de jeu, la tête est son point faible et je vais taper la tête. Je vais pas remettre la cinématique, on peut tout esquiver là. Si, on a pas plus trop. Mais vous laissez approcher pour que je puisse. J'arrive pas à approcher de la tête, donc c'est un peu compliqué. Oui, d'accord. Allez, c'est reparti pour arrêter le son. Ouais, bah je veux bien, mais faudrait que je puisse arriver. Voilà. Niveau de sa tête, mais comme il prend la moitié du terrain et qu'il n'a aucune vision sur la carte, même pas par où je peux aller. Et je te vois. Et recommence. Commence la commande réaction. Ah.
Ah! Il réapparaît. Hop là. Oh, allez, arrête de bouger. Non, 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 non. Oh, la belle texture. Simba seems fine now. Ha! The king has returned. The Pride Lands will not forget King Simba's courage, or the courage of those who fought beside him. Do you think your quest will ever be over? I don't know, but I think as long as the Keyblade stays with me, I'll have to keep fighting. Ah, the struggle never ends. That is the great circle of life. Never, ever? The secret to victory is a strong heart. Go on, go on, go, go!
strictement rien créé. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Ça, je voulais... Les trésors ici. Pas s'oublier. Oh là là, il m'en manque. Cœur. Éveil. Aube. Let's go. Éliminer les 100 cœurs. Ouais, là faut faire gaffe parce que en fait le piège anti 100 cœurs il est retourné contre nous. Ça va Donald? Entrez! Mais attends, qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne trouvez pas que ces 100 cœurs ressemblent à ceux du monde de Tron? Ne restez pas là, entrez vite. Dépêche-toi, Sid! Je fais ce que je peux. Eh bien, hein, c'était pas suffisant. Non mais, dis donc... Qu'est-ce qui se passe? Une fois de plus, vous arrivez au bon moment. Le MCP sème le chaos dans le système. Encore? C'est ce que dit Léon, en tout cas. Il est allé à Ansem Study pour trouver ce que tout le ruckus était about. MCP is using the data in that computer to crank out Heartless. The MCP's been messing around with the town's control system, too. MCP sure doesn't know when to quit, does it? Le programme est coriace. Comment va Tron? Impossible de le contacter, il est probablement coincé sur la grille de jeu. Et à mon avis, ça ne doit pas être une partie de plaisir. Oh. Nous allons voir ce qu'il en est. Père, on est en train d'assembler un programme de désinstallation du MCP. J'ai l'impression qu'il est presque terminé. Eh bien, espérons que tu ne te trompes pas, encore une fois. Lorsque le programme sera prêt, nous aurons besoin de l'aide de Tron. Pas de problème, on préviendra. Mes amis, nous comptons sur vous. Bon, prie. Euh...
En fait, c'est que j'ai pris une tonne de pellets. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Pas très grave. Je voulais mettre la maîtrise, mais pas trop grave encore. C'est un truc. Si je repasse là, il annule. Pas du tout. L'arnaque à chaque fois. Grave. Un nouvel épisode a été ajouté. Lol. Alors, on a dit. Allez, la tape. C'est que c'était les électroniques qui me filaient les trucs. Pas dashé avec cette forme. Ah, dingo. Ah, du coup là. Oh mais je suis retourné dedans. Alors, est-ce que j'ai l'allonge pour aller chercher le truc? J'ai pas l'allonge. Yeah.
Formule lunaire. Pas beaucoup d'XP, c'est sympa. Il est par là. En fait, ce qui me choque un peu, c'est que en gros, il demande que entre le monde de Simba puis le monde de forteresse oubliée, gagne 2 levels. Quand on gagne 1 ou 2, ça se fait rapidement, quoi. Alors, la question que je me pose, c'est... Je vais aller voir les gonzesses. Ah bah. Salut les gonzes! C'est souillé. Et vous? Liars! Quoi? Leon doesn't have any treasure! And we fought for you guys. Donald! Well, I had to kill him something. I don't see how we're gonna work this out. So what should we do? Why do you think they would trick us like that? No, we worked so hard to help them out. All we got was a total. It's not fair. They'll just take responsibility for what they did. Okay. Yeah. This'll be great. Good call. Okay, it's go time. We're just going to take your treasure. But we don't have anything. You sure? Hmm. Let's take a look. Mm-hmm. Ooh. Hey, Uni. I took a look, and sure enough... Okay, we've decided. The Gullwings are taking all your items. You gotta be kidding me. Oh, Foofy. This stinks. So not cool. Look, sorry we tricked you, but... Forget about it. Leon told us the whole story. He said your journey's been pretty rough. So it wouldn't really be right if we took your things. We'll root for you. Here, this is from us. Bye, good luck on your journey. La merde, hein, ce qu'il donne. Okay. Une Keyblade. Double les gains d'expérience après une victoire lorsque les HP restants sont inférieurs à 50%. Je me souvenais plus de ça, donc ça peut être fort si on n'a pas de... Je crois qu'on ne voyait rien. Par contre... Oh, j'ai un truc. Si je le mets, je crois qu'elle est nulle à... Ouais, elle fait pas de dégâts en fait. Et elle est bien pour gagner de l'XP. Mais il faut que j'ai moins de 50% de vie, quoi. Donc c'est complexe, quoi. Je vais mettre un autre objet sur... Ah, c'est... Il me faudrait d'autres boucles de soldats. La version du dessus. Alors par contre, ce que je voulais faire. Ok. C'est que là, bien que je peux éclater la gueule, du coup on va y retourner, il y a des... Oh, yeah. It's over.
Ah. Oh, attendez. Va tester un truc. Ah, les talos, ils ont... Ils savent que... Ah, dommage. On va retenter un truc. Alors, attendez. Il y a quoi faire une arnaque ici, je pense. Ah, mince, dommage. Oh, ou alors, attendez. Il y a le TP juste à côté. On va faire ça. Atlas. On va y retourner. Et là, il y a moyen peut-être de moyenner un truc. Ça peut être drôle. Je vais tester. On va voir si je peux faire... Ouais, on peut exploiter. Par contre, mal. Isa. Ouais, allez. Je veux tenter mon arnaque. Ouais, ça vaut pas le coup en fait. Ça donne beaucoup trop de... Ça donne pas assez à mon avis de... État... Maîtrise... 132. On va essayer, je veux juste voir. Une fois... On a dit 132 d'XP. Give me strength. This is it. Là, je suis maintenant à... Ouais, 27, faudrait que je fasse 4 fois. J'ai pas la foi. Ça me donne 25 points de... 35, faudrait que je le fasse 5 fois du coup. Ça peut être rapide. C'est vite fait pour gagner le level. Et du coup ça me permettrait d'avoir le saut niveau 2. En vrai, je vais faire ça vite fait, j'en ai pour 2-3 minutes. À condition bien sûr que j'ai de la chatte. Plus, hein. En fait, ça me permettrait d'avoir directement le... le super saut à 2, donc ça serait déjà... tout bénef, quoi. Après, est-ce que ça vaut vraiment le coup que j'aille dans cette salle juste pour pas de death en cœur? Je pourrais parce que c'est énormément d'XP récupéré, enfin énormément. C'est, il y a de l'XP quoi. Il y a pas mal de mobs, il y a de l'XP. C'est juste que je vais le bloquer quoi à un moment. Voilà. Le saut 2. Ça m'arrange. Et du coup... Ah, oh, il en faut 4, 5. 4. Souvenant 7. Ouais, mais souvenant.
Baba. Perso est plus efficace que... Mon double saut est plus efficace que mon super saut. Ah mais je vais avoir le problème de toute façon. Je vais avoir le problème où en fait il faut que je sois. Je peux récupérer là. Ça va ou pas? Ouais ça je peux. On est là. Accroche-toi. Yes. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, pourquoi c'est bleu? Magie? Non. Oh la vache, y'en a deux. Ah ouais, d'accord. Ah là, faudra le vol. Ouais, c'est ça, en fait, tu peux pas passer cette partie-là si t'as pas le vol. Là, en fait, faut... Ouais, si t'as pas le vol, tu peux pas passer ici. Ok. En gros, c'est du endgame ici. On ne peut l'avoir que à condition d'avoir débloqué la forme suprême, qu'on débloque... Qu'on débloque aléatoirement d'ailleurs. On n'est pas censé venir ici tout de suite, quoi. Shit. Je me fais toucher, là, réellement. Il y a que la magie qui les touche. Et... C'est pas ça que je voulais faire. Du coup ça va être pénible pour les toucher. Yeah.
pas le temps de... Enfin, y'en a une deuxième. Ah, c'est ça, en fait une riposte permet de passer outre le, la protection. Allez, le rush.